Podcast. Radio MFM. MTech. مرحبا بكم في MTech على MFM. باش نحكيو اليوم على ان تشالنج دي انوفاسيون ينظمو كلوب نتلينكس. معنا مريم جيزاني ريسبونسابل ميدياتيزاسيون في الكلوب تحكينا باكثر تفاصيل على التشالنج هذا. عسلامة، أنا مريم جيزاني، responsable de médiatisation في Netlinks. Netlinks c'est un club de développement informatique. On a récemment, le 25 janvier, lancé l'inscription في challenge interne, le challenge d'innovation de Netlinks 2014. Le slogan était World Changing Ideas, معناها les idées qui peuvent changer le monde. Le challenge, c'est un challenge national de projet. Il va s'étaler sur 2 mois. معناها les participants, un temps de 2 mois, pour faire leur projet. Ils le présentent devant un jury. C'est un jury de professionnels et même internationaux. L'équipe qui va gagner, en fait, elle sera dévoilée le jour de l'événement interne à Lihua. Ce sera le 13 avril que l'INSAT, qui sera organisé par 4 entités internetlinks, c'est Lihuma, l'EMSI, l'INSAT, ou ZCOM ou SUCOM. On y met le netlinks, en fait, c'est ces 4 packs-là. Le challenge visé, ce sera à la fois un challenge d'idées ou un challenge technique. Ils ont à la fois une idée créative ou innovante. Ils ont fait le projet MTA comme il touche à 2 disciplines au moins. Maintenant, je m'écoute, c'est le développement web, c'est le mobile, c'est le développement embarqué, ce 3D, voilà, l'intelligence artificielle aussi, voilà, le réseau, c'est derrière, je vais d'affirmer une partie de réseau. Donc, challenge, j'ai dit, l'inscription était update le 25 janvier ou plutôt le 9 février. Pour faire un prix, en fait, l'équipe gagnante, elle va recevoir 2 kipi dinars. Donc, il y a aussi.